Salut à tous les amis, c'est Neyo. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Pandac MC les amis. Dans cette vidéo les amis, on va tout simplement se connecter sur le compte de Jean Mouloud. Voilà, elle a repris possession de son compte. Ça fait très bizarre d'être sur un compte où je suis pas en fly. Regardez les gars, il est sur ce compte, j'y étais il y a littéralement 5 minutes. Voilà les gars, c'était vraiment très drôle. J'ai hacké son petit compte et je me suis amusé. J'ai tué tout le monde, je me suis give des épées cheatées, j'ai give des joueurs. En vrai les gars, je vous assure la vidéo c'est une dinguerie vraiment. J'espère qu'elle va vous plaire. Dans tous les cas, je vous prépare quelques petites masterclass pour cette semaine de Noël. Parlons tout simplement de cette semaine de Noël. Déjà, j'espère que vous passez de bonnes vacances. Profitez-en pour vous reposer en vrai. Tout le monde est un peu malade en ce moment, les gars. Profitez de votre mif et tout. En tout cas, voilà. J'espère que ça se passe bien pour vous. Moi, les amis, dans cette vidéo, je me permets de vous faire gagner, étant donné que c'est la petite semaine, voilà, vacances de Noël, etc. Je vous fais gagner le grade suprême, les amis, avec tous les petits grades qui passent juste avant. Voilà, c'est très rare. D'habitude, c'est 10 euros de points boutique. Là, ça doit être quelque chose comme 60, 70 euros. J'en sais pas vraiment plus. Mais voilà, je vous le fais gagner en espérant que ça vous fasse plaisir. Pour participer, c'est pareil que d'habitude. Tu t'abonnes, tu likes la vidéo et tu commentes la vidéo avec ton pseudo. Tout ça, ça sera évidemment vérifié. Et dans cette vidéo, on se dit pourquoi pas un objectif de 300 likes, ça me ferait super plaisir. En espérant que cette vidéo vous plaise, n'oubliez pas les petits commentaires, voilà, pour le référencement, les abonnements pour me faire plaisir et les petits likes les amis, ça me ferait super plaisir. En espérant que cette vidéo vous plaise, vous aurez une petite vidéo le soir de Noël, en espérant qu'elle vous plaira, je vais vous offrir pas mal de cadeaux, je vous en dis pas plus. La bibi des frères, bonne vidéo et on se retrouve directement sur le compte de Jean Mouloud. Juste avant de commencer la vidéo les amis, j'ai oublié 2-3 trucs. Donc déjà, il y a un starter pack sur Pandac MC, donc pour les nouveaux, pour ceux qui ne le savent pas, il y a un starter pack pour les factions de plus de 5 et 10 membres, voilà, donc n'hésitez pas à le réclamer sur le Discord et à savoir les amis que ce soir je serai en live sur Twitch sur la nouvelle chaîne, elle est directement en description, c'est Neyo Twitch, voilà, donc j'ai dû en recréer une étant donné que l'autre a été banni, voilà, normalement les gars on est reparti en stream tous les soirs sur Twitch en espérant que ça vous fasse plaisir, bon évidemment là il y aura la période de Noël donc ça sera pas exactement tous les soirs. Et voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour, à vous abonner, vous aurez la notification normalement si vous vous follow à la chaîne. Et voilà, si ça se passe bien, on reprendra les lives tous les soirs en espérant que ça vous fasse plaisir. La mif, c'était Neyo. Passez une bonne soirée, passez une bonne vidéo et elle est très longue cette vidéo, alors mettez-vous yimble les frères. Ok les amis, bon du coup j'ai dû aller sur le petit salouir client étant donné que bah je vais venir en crack hein, du coup je vais rejoindre directement Pandac MC avec le compte de Jean Mouloud les amis. Donc là ça va être plutôt drôle. Je vais me connecter directement au serveur faction. Ah, le pack de texture est très laid. Ok les amis, bon je viens littéralement de me connecter au compte. J'ai directement enlevé tous les petits messages que vous pouvez voir dans le chat, sinon ça va être chiant. Donc là on est aux AP. Alors je sais pas qui est l'auteur de ce crime, mais c'est très laid, c'est très moche. Donc là les gars, je suis carrément en fly et tout. On voit que bah, j'ai beaucoup d'argent, j'ai beaucoup de flocons et j'ai beaucoup de gemmes. Alors est-ce que je peux pas m'acheter des petits trucs dans la boutique les gars? On va s'acheter une petite clé Noël. Tiens allez hop, on va aller l'ouvrir au spawn. Bon les gars, qu'est-ce que j'ai prévu avec le petit compte de Jean Mouloud? Je pense que ce que je vais faire les gars, c'est que je vais essayer d'1v1 un modo et genre je vais le ban à la fin du 1v1. Tiens, on va s'ouvrir la petite clé Noël. Je pense aussi que ce que je vais faire, c'est que je vais givol pour Noël. Je sais pas, je sais pas encore quelle clé me give, mais je vais faire un petit givol. Putain mais les gars, c'est trop drôle hein, d'être fondateur là sur un serveur où il y a autant de gens. Là je peux give, je peux placer un truc dans le spawn carrément. C'est assez drôle, attendez les gars, hop. On va entacher l'image de Jean Mouloud. Est-ce qu'il y a un petit joueur que je connais qui est abonné là quelque part? Tiens ici, est-ce qu'il y a des gens? Ok toi là, saucisson, attendez, est-ce que je suis en vanish? Non je suis pas en vanish, nickel, regarde moi toi. Hop 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 les amis, hop et là. Bon les gars, ce qu'on va faire, c'est que comme je vous ai dit, on va trouver des gens, on va trouver un modo à 1v1. Après on va se dans la warzone, on va s'amuser un petit peu. C'est pas tous les jours qu'on a le compte de monsieur Jean Mouloud. Du coup les gars, je me stuff, je me mets P4, je me mets bien et on va se battre directement en warzone. Ok les amis, bon alors attendez, puisque là je viens de voir, je voulais 1v1 un modo. Et en fait je suis en train de me dire, il est 18h30 un mardi sur Pandac MC, on a un totem, c'est le totem Japon. Slash atout, on va activer les atouts du Jean Mouloud, hop hop. Hop, bon les gars, on a littéralement tous les atouts du monde. On va fly un peu, hop. Alors, où est-ce qu'il est ce petit event? Hop, on va y aller, je vais manger des pommes cheats sur pommes cheats. Je n'ai pas de cooldown, c'est super les gars. On va se la mettre, oh les effets sont énormes sur l'écran, c'est laid, c'est très laid les gars. Oh mais attendez, faudrait que, oh j'aurais pu trouver la commande pour le force, je les aurais atomisés là les gars. Là mais là je vais rester en effet de pommes cheats tout le long de l'event, ça va pas être très drôle pour eux. Ok les gars, là il y a un petit modo, regardez, en face. Enfin je pense que dans cet event, malheureusement il y a des gens qui n'ont bientôt plus de potions. Donc je pense qu'on va kill le modérateur Swix, voilà. Ah, malheureusement ça va pas donner de potion aux autres gens. C'est dommage. Bon attendez, faut que je pêche un mec à 1v1 là dehors, c'est pas drôle sinon. Lui, on va un peu lui casser la gueule, tiens. Hop, il doit se dire OMG, OMG, j'ai 1v1 Jean Mouloud. Et non,
C'est Neyo derrière ce compte. Attendez, mais j'ai un problème, je n'ai pas de... Attends, stage GM1, je vais me prendre des petites régènes, non, des golden, hop, on va prendre des petites pommes d'or, hop, les gars, stage GM0, et on va retourner au combat. Lui, il a carrément oublié son event, hein, les gars, il peut invier le fondateur, je vous jure qu'il a annulé l'event. Non, mais ils sont vraiment... Attendez, attendez, les gars, on va slash GM1, slash Imzy Plumzy, on n'aime pas les gens qui jouent à la rod, nous, les gars, hop, slash GM0, et on y retourne. Il a plus la rod, les gars, ça devrait être un peu plus simple sur 1v1. On va voir un petit peu ce qu'ils valent sans leur rod, les petits joueurs Minecraft. Ça, c'est un avantage, les gars, dont j'abuserais si j'étais honneur sur un serveur. Hein. Littéralement, les mecs se retrouveraient à chaque fois en 1v1 avec des items en moins dans leur inventaire. Allez, on va essayer de le drop, le frérot, là. Les gars, je suis sur le Salware client. Il est vraiment très bizarre, ce client. Je préfère Lunar ou Vape, en vrai, ça dépend, un des deux. What? Attendez, les gars, il m'arrive des dingueries, là. Mon jeu, il est possédé. Putain, non, ces mecs-là, ils passent trop de temps sur Mindman, les gars. Je peux pas rivaliser, je vous jure. Moi, je suis juste un petit youtubeur Minecraft, tranquille ou bilou, ECD. What? Ah, mais j'ai une touche. Ok, je crois que la touche pour mes perles, c'est la touche qui m'active de la merde. Putain, Salware, il y a trop de touches chelou, frère. Il y a pas ça sur Lunar. Ok, les gars, lui, je pense que. Attendez, en vrai, attendez, le 1v1 m'énerve. Hop. Hop, hop, et là, GG à lui, j'ai été meilleur. Bon, maintenant, on va trouver des modérateurs, les gars, à fight. J'aimerais bien bannir un modérateur. On va slash S Plumzy, on va lui rendre son petit stuff, le pauvre. Faudrait que je trouve un autre mec à 1v1, les gars. Mais ça serait bien que j'avais un modo et genre je le banne à la fin. Ça serait un peu plus drôle, je pense. Ok, les gars, bon, là, il y a un petit modérateur qu'on a ramené juste ici. Il y a un mec qui m'a dit tu peux me retirer le grade helper. Ah, carrément, le mec veut démissionner. Bon, on va le ban. Non, je rigole, les gars. Je vais laisser Jean-Blout faire son travail, il le fera plus tard, les gars. Lui, là, Siegs, on va le tabasser, les gars. C'est un modérateur. Il est modérateur sur le serveur. Je vous jure que il va voir malheureusement son grade partir en fumée. Il a banni IP1, mec, littéralement. De sanctions. Le mec fait son travail pendant qu'il en avait un contre le patron du serveur. Oula, mais attendez, mais pourquoi ils sont forts les modérateurs? Je ne comprends pas. Tu es censé bannir les cheaters, pas être fort sur Minecraft. Le pauvre, il essaye de se connecter au serveur, mais malheureusement, tu es banni, frérot. C'est dommage. En vrai, c'est assez sadique d'être fondateur. C'est-à-dire que tu vois tout. Littéralement, tu vois tout, les gars. Pas l'air mauvais, le petit Siegs. De toute façon, que je gagne ou que je perde, il est ban, lui. Bah, il est ban. Il est littéralement ban. Bon, allez, je vais le TP, slash tirer SCX. On va le re-TP, les gars. Je le re-1v1 et je le ban juste après. Parce que, bon, miskin. Et on est parti. On le retabasse, les gars. Carrément, c'est reparti. Ok, les gars, je crois qu'il est prêt à se faire cogner sur Minecraft, les gars. Let's go. Hop, petit wombo. Ah, mais attendez, je peux le full perl aggro vu que j'ai un bypass. Je peux le full perl aggro, littéralement. Je n'ai pas de cooldown. Hop, les gars, c'est reparti. Hop, on le castagne. Et j'ai v'là les FPS sur ce launcher, par contre, les gars. Avec Lunar, j'ai moins d'FPS. Attendez, mais il a pas me cheat, le con. Ok, slash Imzy Siegs. Hop. On va lui retirer son épée le temps de sa pomme cheat, les gars. On va lui retirer son épée le temps de la pomme cheat. On va lui retirer sa petite épée. Hop, hop, c'est reparti. Ok, vas-y, on lui remet son épée. Merde, les gars. Ok, non, c'est bon. Ok, c'est reparti, les gars. On va le 1v1, mais il a ramené son copain pour lui rendre l'épée, là. Je vais devenir fou. En plus, là, les gars, il a résistance, du coup. Je vais me faire arracher, oh. Ok, non, j'ai rien dit. Et là, il a résistance, je vous jure que ça va être un peu plus compliqué, le 1v1, les gars. Alors, attendez, stash feed, hop, hop, c'est reparti. Ah, il gapple, il golden apple, hop, petit combo sur Minecraft. Les KB de Pandax sont vraiment clean, les frères. Hein. Bon, sauf quand le jeune homme lag. Et il arrête de manger des pommes d'or, celui-là, il est sous résie et il mange des pommes d'or. Il est pas trop dans l'abus, hein. Alors les gars, il prend aucune dégâts. Aucune, oula, aucun. Ok, mais il veut pas se battre comme un homme. Stash MCX. Hop. On va lui retirer ses pommes d'or, les gars. Il m'énerve avec ses pommes d'or. Il est sous résistance et il mange des pommes d'or. Il est crazy, celui-là. Ok, on a l'avantage, là, les gars. Pella, on l'a retranché à la décapiteuse. Slash ban CX. Entraîne-toi, s'il te plaît. Tiré S. Donc, CX a été banni par Jean Mouloud. Entraîne-toi, s'il te plaît. Je pense que ça devrait aller, les gars. Je pense qu'il s'en remettra. On lui laisse 2 semaines d'entraînement et après, on le débanne, à mon avis. Okay, les amis, bon, je vous avais dit que j'allais gift des gens, etc. Je viens de penser à quelque chose. Je pense que je vais plutôt vous faire une surprise pour Noël. Vous allez voir, je vous sortirai une vidéo pour Noël. Elle sera pas piquée d'hanneton. Vous allez voir, ça va être plutôt cool. Mais il veut quoi, celui-là? Les gars, vous verrez les dégâts que je mets aux gens. Je me suis préparé une petite épée sympa. Allez, pas trop abuser, ça va, en vrai, ça va. On peut faire pire. On peut toujours faire pire, de toute façon. Hop, j'ai pris une petite T10. Donc, au lieu de mettre 15, je crois, de dégâts, j'en mets 19. Ça va, franchement, c'est raisonnable. Hop, lui, on le tue en vivier explosive. On va s'occuper de lui aussi. Ah non, mais les joueurs rod, hein. Non, mais il faut vraiment qu'ils aillent se soigner, hein. Hop, moi j'ai pas de cooldown sur les perles, les gars, donc on va abuser un peu de la situation. Il m'a dit GG Jean Mouloud, il est assez mignon, le petit helper là. Il veut son rank up modérateur, lui, hein, les gars, je vous le dis. Il veut son petit rank up, hein. Bon, j'allais dire, sa rod elle me fait chier, mais je suis à la T10, donc est-ce que j'abuse du bail jusqu'au bout ou je suis un nice guy? Non, j'abuse du bail jusqu'au bout. Slash MC. C'est quoi son pseudo à lui? Bon, attends, il va où ce? C'est quoi son blaze? C'est Slash MC. Quixi, donc on va lui retirer la rod et on va slash TP
Quixi. Hop, on se TP à Quixi les gars, et on est parti. On a une nouvelle technique pour Chase les gars, c'est plus de ce punch. On se TP à la personne. C'est parti les gars. Bon attendez, il commence à m'énerver à ce punch là. On va lui retirer son punch. Hop, et on va se TP à lui. Il est tout nu hein. À deux doigts de lui retirer son stuff les gars. Hop, on lui a enlevé toutes ses affaires. Mais arrête de perdre mon loup. Il est fou ce mec. Bon attendez, je vais me re-TP à lui. Hop, il s'est mis dans un coin. On va le terminer littéralement. Bon, toi, je m'occupe de toi après. Toxic Alts. Putain, mais même sur mon vrai compte, c'est un fan, Toxic Alts. Hop, on va le chase. Bon, attendez. Toxic Alts, je suis à deux doigts de le stash kill, les gars, derrière. Attendez. Stash Nipsy Toxic Alts. Je vais juste lui enlever son épée et son épée. Hop, je lui enlève ses épées et je retourne vers lui après, les gars. Je vais m'occuper de lui d'abord. Hop, stash TPA, Quixi. Toxic Alts, je lui rends ses épées et j'y retourne après, les gars. Attendez, d'abord, lui, je le chase. Et il veut pas mourir, hein. Je vous jure qu'il résiste trop bien, hein, les gars. Je suis quand même à la Tejis. Hein. Je suis littéralement Tejis Riner contre un enfant qui sort du CP et il résiste très bien. Franchement, je vous dis la vérité, c'est un vaillant. Ah, mais il va. Attends, je vais lui retirer. Hein. Non, mais ils veulent pas, hein. Ils veulent pas le faire, leur 1v1, les gars. Arrête de m'agacer, toi. Hein. Ah, mais il est juste allé voir ses potes, là. Mais il est chiant de fou. Ok, attendez. Je recule, slash infsi. Les gars, il y a trop de commandes à faire. Eh, vas-y, tu sais quoi, attendez. Eh, ça y est, ils m'ont tous cassé les couilles. Viens là, toi. Slash infsi, Quixi. Donne-moi tes putains de perles. Slash TP à Quixi. Hop, maintenant c'est fini, mon frère. Hop. Non, il est trop chiant. Il y a toute sa faction qui sont là pour le sauver, les gars. Je vous jure, c'est horrible. Ok, attendez. C'est bon, les gars, je l'ai tué. Petit dérapage. Je lui ai volé son marc, sa rod, ses perles. Et après, je l'ai slash kill. Je suis vraiment incompétent, les amis. Je n'ai pas réussi à le tuer autre qu'en le slash kill. Alors que je lui ai littéralement tout pris. Je l'ai mis tout nu, les gars. Hop, c'est reparti. En vrai, je vais arrêter de manger des pommes cheat. Je pense que je vais prendre ça. J'ai trop d'épées dans ma. What? C'est quoi ça, les gars? C'est nouveau? Oh, il y a un labyrinthe. Incroyable. Alors, il y en a un qui vient là alors que je suis à la T10. Alors toi comment t'es finito mon frère? Alors toi t'es finito pipo au cachot hein. Mais attendez, mais les mecs ne veulent pas mourir. Putain, j'ai failli mourir. Mais je suis vraiment gaze hein. Je suis une merguez au jeu hein, vraiment. Je suis une merguez de fou au jeu frère. Attends, pourquoi je me bats pas? J'ai une épée littéralement surpuissante genre. Après je vais en prendre une autre les gars. Parce que là j'allais pas assez surpuissante je trouve. Je me fais multi les gars. Je me fais multi dans le labyrinthe. Attendez, parce qu'en vrai, faut pas que je meure avec cette épée, les gars. Faut que je fasse gaffe quand même. Ok, les gars, je vais pomme cheat. Et ce que je vais faire, c'est que je vais directement la slash enchant. Alors, faut que je revoie toutes les commandes. Hop, je vais mettre échec. Hop, allez, hop. C'est reparti, les gars. Là, j'échange un peu l'épée, là. Je vais littéralement faire un petit carnage dans le labyrinthe. Là, ils sont tous morts, les gars. Je vous le dis, maintenant, ils sont tous morts. Le prochain qui me tabasse, il est mort. Hop, toi, là, t'as voulu faire la mala gangs. Hop, viens ici. Hop, bon, attendez, je retourne dans le labyrinthe. Oh, les gars, regardez la zizanie que j'ai semée là-dedans. Il faut absolument que je les tue tous. Mais attendez, mais toi, par exemple, tu es mort. Hop. Ah, oh là là. Oh, mais les gars, c'est horrible ce putain de labyrinthe. Je vous jure qu'ils sont tous morts là. Viens là, toi. Mais comment ils font pour résister comme ça? Je vais devenir fou. Ok, premier kill, les gars, depuis 30 ans, hein, littéralement. Toi, hop, je t'ai laissé te reposer en vivie explosive. T'es mort maintenant. Mais les gars, c'est dingue qu'ils arrivent autant à s'échapper de toutes les situations. Ces mecs-là sont juste trop forts pour moi. Hein. Genre, ils ont. J'ai pas leur niveau. J'ai pas leur niveau, les gars. J'ai littéralement pas leur niveau. Slash feed. Ah, bah j'en ai tué un. Il a fini mon kill, en fait, le mec là. Dans toi, en vrai, j'ai envie de te tuer. Mais en fait, depuis. Ah, mais non, mais je viens de comprendre, les gars. En fait, c'est juste que je me mange le plus gros multi de ma vie depuis tout à l'heure. Oh, j'ai plus de perles. Ok, les gars, attendez. Hop, hop. Explorateur, mec. Ok, les gars, je vais sauter dans la faille. Slash kit explorateur. Hop, c'est bon, j'ai des perles. Tac, 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 tac. Ah, vraiment, c'est un peu fort d'être admin, quand même, je trouve, les gars. Bon, attendez. Les gars, j'ai une autre solution. J'ai une autre solution, parce que là, c'est en train de m'énerver. Ils sont beaucoup trop. Ils sont tous dans la même faction. Alors, attendez. Slash feed. Faut que je back un peu. Ok, attendez, je vais me surélever parce que là, il m'énerve. Hop, je me surélève. Je prends cette épée. Je vais la mettre, hop, 100. Et je vais littéralement les one-shot tous un par un. Je suis énervé, là. Viens là, toi. Alors, venez. Toi, viens là. Hop, toi, viens là, hop, toi t'es mort, hop, et là, voilà les gars, c'est bon, j'ai trouvé la solution, ils sont tous morts, les gars, je viens d'en tuer 5, vas-y, je vais les laisser reprendre leur stuff, mais bon, voilà, au moins j'ai trouvé la solution, les gars, je me faisais littéralement 15-20, je n'en pouvais plus, ah, vous avez été freeze par un membre du staff. Qui s'est permis de me freeze, les gars? Ok, les gars, mais ils sont revenus à la charge. Ils sont complètement tarés, ces mecs. Hein. Il y a un modo qui me freeze. C'est en train de m'énerver. Je me suis unfreeze moi-même. Ok, les gars, bon, je pense que je vais arrêter le carnage parce que là, ça commence à me faire de la peine. Excusez-moi.
je vais back et je vais retirer cette épée de mon inventaire avant qu'elle tombe dans l'inventaire de quelqu'un d'autre. Hop, donc voilà les gars, je pense qu'on a fait un beau petit carnage. Franchement la vidéo était trop drôle les gars. En fait c'est trop drôle parce que j'ai même pas énormément parlé, j'étais tellement concentré. Je me suis pris un focus les gars, vous vous rendez pas compte que même avec une bonne épée c'était très compliqué. Oh il est trop mignon le singe les gars, le singe est trop mignon. Ok non, je suis en train de niquer leur bulle les gars, c'est très laid ce que je viens de faire. On va remettre ça comme c'était, hop, on va pas faire de méchantes choses. Mais leur singe est très beau les gars, bon, sur ce j'aimerais bien faire un petit truc. En vrai je pense qu'on en a déjà fait beaucoup les gars, de toute façon comme je vous l'ai dit dans la prochaine vidéo je vous réserve une petite dinguerie. Je vous réserve plein de cadeaux de Noël sur PandaKMC, donc n'hésitez vraiment pas à rejoindre le serveur. Je vais faire, bah je vous en dis pas plus, mais vous allez avoir des surprises, vous allez avoir plein de cadeaux ceux qui seront sur le serveur. En tout cas les amis, un grand merci à toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin de cette vidéo. Je suis quand même un peu KO en ce moment, donc la vidéo j'avais peut-être pas autant d'énergie que d'habitude et j'étais surtout très concentré. J'ai kiffé record cette vidéo, même si j'ai pas forcément beaucoup crié ou quoi, je vous jure que la vidéo c'était une dinguerie, j'ai trop kiffé la record. Franchement c'était plutôt drôle. Attendez, lui il est en train de se faire trap. Je vais l'aider, je vais l'aider. Tiens, vas-y, vas-y mon gars. Vas-y, vas-y, rentre, rentre, rentre. Casse-lui la gueule. Vas-y, vas-y. Let's go, les gars. Let's go. J'ai fait le bien aujourd'hui. J'ai fait le bien. Bon, les gars, sur ce, c'était Neyo. Un grand merci, vraiment. J'espère que la vidéo vous aura plu, les frères. Je vais quand même rebuild sa merde, là. Hop, hop. On va remettre ça comme ça. Hop, ça comme ça. Et passez de bonnes vacances de Noël, les frères. Passez de bonnes vacances. Reposez-vous. Et merci à tous ceux qui suivent les vidéos pour le retour. Ça me fait extrêmement plaisir. Et sur ce joli skin de Jean-Mloud, les gars, je vous dis à plus tout le monde. C'était Neyo. N'oubliez pas le like, le commentaire, etc. Je vous fais gagner aussi pas mal de points boutique dans cette vidéo, vu que c'est la semaine spéciale Noël, donc oubliez pas pour le concours, vous commentez, vous abonnez. Bref, bisous les frères.